Et bonsoir à toutes et à tous, on se retrouve sur notre Let's Play Gameplay Assassin's Creed Origins sur le DLC The Cursed Pharaon, ou Pharao, je sais toujours pas comment est-ce qu'on prononce ce mot en anglais. Je suis pas allé voir, je vous avoue que j'en ai rien à péter, et pire, si vous voulez me juger sur mon accent et ma prononciation anglaise, bah allez-y, ça me fera du commentary et du référencement. Et comme ça, ça me fera plaisir. Il y a une quête secondaire ici, on va pas l'entamer. Par contre... La maladie. Non, par contre, ici il y a un trésor à récupérer. Ok, peut-être pas. Aussi facilement que ce que j'aurais cru. Et on va récupérer ce trésor-là. On va faire aussi, je pense, un épisode secondaire. On fera pas d'histoire ou je ne sais pas. Ou alors je vais continuer à lier secondaire et. Y a qui là-dedans ? Et les deux, d'accord, j'ai un point de quête là-dedans. Personne. Rien que les morts. Y a personne, rien que les morts. Pour un esprit. Tu es le voleur des enchères que tout le monde recherche. Qui ça, moi? Quelles enchères? Je crois que le soleil du désert t'a tapé sur la tête, Neb. Il fait nuit. Je vais trouver une entrée et on va discuter. Non. Va-t'en. MDR. C'est quoi, c'est les morts? Oui. Je jure que je suis un mort. Regardez, je fais le bruit du mort. Toi, tu n'existes plus. Ah, ok, d'accord. Pardon. Ah, bah, c'est barré. Même pas chercher à m'attaquer. Psst. Eh, psst. Elle est un peu conne, cette tienne. Un peu tubi. Donc là on a quoi sur... On a une quête ok à faire, il faut qu'on trouve l'entrée du bordel. Là au moins on avait clean et tout, ça c'est cool. On reste sur cette map là. Il reste des choses en bas, à mon avis là il doit y avoir des choses à tout faire. Là il y a la quête secondaire. Je suis quasiment sûr qu'elle va me demander de refaire les... Pardonne-moi, Ranofer. Je n'ai pas les outposts et tout qu'on a déjà fait, donc on va faire ça à un moment donné mais pas maintenant. Ou quelque chose du genre en tout cas. Par contre ça veut dire pourquoi mon personnage s'arrête à certains moments de... Non mais vraiment... Il tape des arrêts, mon gars, il est en mode banon. Oh, c'est quoi ça? Ah oui, d'accord, les traces de pas. Empreinte qu'aux enchères. Le neveu d'Irsou. Les morts parlent. J'ai pas allumé mes commandes à distance, permettez-moi. Pour faire profiter des dialogues pleinement, sans avoir ma gueule dessus. Même si je pense que vous appréciez cette magnifique figure que je suis. La magnificence absolue. Tu es le gamin que j'ai vu sur les quais. Soutek. Non. Non. Enfin, je ne suis rien, ni personne. T'es qui, toi? Il me fume de rien. Ce mec est trop marrant, je l'adore. Bayek, et j'ai besoin de l'objet que tu as volé. Tu travailles pour mon nom? Je t'en prie. Ah, mais oui, c'est le rouquin, bah oui, évidemment. Objet. C'est ma mère, elle... Tes parents sont morts. À cause de ça. Et si je peux le remettre dans son tombeau? Nefertiti ne fera plus jamais de mal à personne. Pourquoi tu ne l'as pas fait alors? Mon oncle, cette crapule, ne m'a pas dit où il était. Il est mort. Que Ré éclaire son passage. Donne-le-moi. Je vais m'en occuper. Pourquoi? Tu n'as rien perdu. Rien. J'étais un Medjay. Un mari, un père, j'ai parcouru la moitié de l'Égypte pour verser le sang de ceux qui m'ont tout pris. Tout ça à cause d'une relique comme celle-ci. Prends-la, prends-la. Je te crois. Est-ce que c'est vraiment la vraie? Qu'est-ce qui ne va pas? C'est une fausse. Je m'attendais à autre chose. Tu as promis. Le tombeau se trouve à l'ouest du chemin principal, dans la vallée. Je croyais que tu ne savais pas où il était. C'est le tombeau de son architecte. J'y suis resté coincé une éternité. J'ai fini par comprendre. On me fait rigoler ce rouquin. Il y a peut-être encore des sbires de mon oncle. Mais je connais une autre sortie. Tu te souviens de ta promesse? Oui. Qu'est-ce que tu vas faire, toi? Trouver du travail et éviter les ennuis. Pourquoi est-ce que je n'en crois pas un mot?
Ah, j'y. Alors, on a toujours 3 quêtes. 46, 47, 47. La Dame de Grâce, quête principale niveau 46. Après avoir résolu l'énigme de Taïwet et trouvé son invitation, Bayek se rend sur l'île afin de tenter de mettre fin à la vente aux enchères. L'objet qu'il cherche est à portée de main, mais il doit s'emparer et délivrer Deb de la terrible malédiction. Ok, donc c'est la quête principale, en fait, c'est tout ce qu'on a fait. Ouais, c'est ça. Donc maintenant, on doit rejoindre. Mais ça consiste en quoi? Parler à la grande prêtresse? Ah bah oui, parce qu'en fait, il y a d'autres choses à me remettre à sa place. Et d'origine humaine. Il découvre une ville assiégée, nanana, d'accord. Accorder le repos à Nefertiti. Donc, en fait, ça fait partie de nos objectifs, en fait, finalement. J'ai l'impression que ça se croise un peu. Un peu beaucoup. Tac, on en profite, on va clean. Ah bah j'ai vendu un truc que je voulais pas spécialement. Ouais, c'est pas grave. De toute façon, le stage où j'en suis, le collègue de Nefertiti. Je sais pas pourquoi, je sens pas que ça va être concret ce qu'il m'a donné. Viens, on va faire la quête secondaire. Allez, vas-y, je suis chauffé. Je vous propose d'aller la faire maintenant. Pendant qu'on y est juste à côté, comme ça va être clean, ça va être fait. On aura toujours le bas de la carte à faire, évidemment. Mais, au moins on clean une petite partie, ça fera toujours ça de moins à faire. Je mélange histoire et secondaire. Je pourrais faire juste des épisodes secondaires comme j'ai déjà fait et faire que de l'histoire, mais j'ai envie de faire un peu des deux. De faire durer et puis de pas avoir que des épisodes secondaires. On pourra me dire, hop, on fait tout en même temps un peu. Avant d'aller découvrir une nouvelle map. Au moins clean ça. Après le reste en bas, je ne sais pas. Sauf si on y est amené. Tu viens me ramener chez moi. Dis à Anen que je ne quitterai pas mon frère. Ce n'est pas Anen qui m'envoie. Mais ces falaises sont dangereuses pour une femme seule. Il y a des bandits, des soldats. Qu'ils essaient un peu. C'est un de ces vautours qui a profané le tombeau de Ranofer. Tu veux dire qu'il a été pillé? Oui. Le tombeau a été profané. On a emmené les corps. Et son amulette, le scarabée que j'avais fait pour le protéger. Je vais trouver les Neketiadettes qui ont fait ça. Son mastaba est en haut de la nécropole. Mais pourquoi m'aiderais-tu? Qui es-tu? Bayek. Le cas d'un homme ne doit pas rester piégé dans les sables. C'est ce que disent les anciens chants. Je suis Raya. Tu pourras me trouver au village. Ce mec qui se trouve en haut de la nécropole. D'accord. On va aller voir ça. Je me doutais bien qu'il y avait d'autres choses. Ah, j'aurais dû me douter. Bientôt niveau 50, hein, mine de rien. On a remonté le niveau rapidement. Après, mon gars, tu reviens sur la map d'Egypte là, mon gars, tu roules sur tout le monde. Après avoir pillé les tombeaux des pharaons, ils s'en prennent à nos frères. Et à... ils ont attaqué la paroi au marteau. Le village est loin, personne n'a rien entendu. Une marque de forgeron. Un A dans une sphère. Le forgeron de cette mat. Serait-il le A gravé sur le manche du marteau? Qu'ils n'ont pas volé, ils l'ont détruit. Quel don de chacal. Ranofer était embaumeur. Il préparait les morts à la douate. Quelques enveloppes rituelles. Ils ont emporté les corps. Mais où? D'accord. On va se TP en espérant que ce soit rapide. Plus rapide que de se déplacer. Donc du coup ils ont profané le tombeau en pétant tout. Et en cassant tout ce qu'ils n'ont pas pris. Des connards, hein, comme on le dit dans le milieu. Donc beau et incroyable le connard. Ah! Ah, quelle bande de Chaco! Le point était là, le point est arrivé là-bas. Ah, il porte la marque du... Alors est-ce qu'il s'est fait voler son marteau ou est-ce que c'est le... Est-ce que vraiment il a été assez débile pour laisser son marteau sur place, quoi? Ah oui, c'est la marque d'un forgeron. Donc le forgeron peut savoir à qui il l'a vendu plutôt.
pense pas que c'est le sien, quoi. Parce que sinon, c'est vraiment con. Peut-être qu'il a laissé son nom et son adresse après un braquage, tu sais. Veuillez me retrouver ici. Je me rends, en fait. Raya, je cherchais le forgeron. On l'emmène au fort, ils l'ont enchaîné. Pourquoi on l'a arrêté? J'ai descendu les dunes en courant pour lui parler de ta gentillesse quand j'ai trouvé cet ordre. Mais toi aussi, tu viens chercher mon mari? On s'est servi d'un marteau pour profaner le tombeau de ton frère. Sur ce manche, c'est... la marque d'Anen. Tu crois qu'il... Non, jamais. Je n'avais plus que Ranofer. Pourquoi emmener un innocent? Tu n'es plus un enfant qui s'étonne de tout, Bayek. Les soldats ne s'intéressent qu'à eux-mêmes. Ils volent nos ancêtres. Il va falloir en faire un autre. Je découvrirai la vérité, Raya. Puis Amon te l'a révélé. Les soldats ont arrêté le forgeron et l'ont emmené à leur campement dans la vallée des rois. Ah bah non. Ah bah du coup ça va rejoindre... Ah! Bah ok. Ça, trouver et récupérer la cargaison perdue. Ça c'est des quêtes... Ça on s'en tape parce que ça je crois que c'est des quêtes journalières ou une connerie du genre. Moi je m'en tape un peu, je vous avoue, ces quêtes là. Donc finalement on va devoir aller faire dans la nouvelle zone. Donc en fait j'ai bien fait de faire cette quête là. Parce que si j'avais fait la quête principale, il aurait fallu que je revienne pour apprendre en fait que... Oula. Que les points que j'avais fait, il allait falloir les refaire. On va découvrir le haut de la map. On aurait quasiment découvert la moitié. Hein. Déjà. Waouh. Nouvelle région découverte, Vallée des Rois. Ah oui, effectivement, il y a plein d'entrées de tombeaux, je suppose. C'est ce qu'on voit partout, là. Perception de Senyu Akru. Akru. Et grou, grou. Ouais, il y a plein de machins à trouver. Fais péter la vision de Senyu. Ok, super. Senyu. Il y a un outpost, clairement, là-bas. On va aller faire aussi les différents points. Je suppose qu'il faut rentrer là-dedans, non? Ah non, 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 pas du tout. C'est fermé, totalement fermé. Il doit en y avoir d'ouvert. Allez, tu vois, lui, à mon avis, il est ouvert. Nouveau lieu découvert, tombeau d'Akneton. D'Aknaton. D'Akneton. Je sais pas comment on prononce. Oh. Ok. Renonces-tu nos noms pour rien? Tu nous méprises en refusant de baisser la tête? Accomplis-tu les rites sacrés? As-tu hurlé ou tué dans un temps? Il n'y a rien ici pour quelqu'un comme toi. D'accord. C'est complètement nouveau ça. Complètement nouveau, on n'avait jamais vu des trucs comme ça. On se fait carrément attaquer par les dieux là. Hein. J'espère que ça va prendre trop cher. Bon, en vrai, j'aurais déjà mis la race. C'est une représentation d'Osiris là qu'on a. Allez hop. Enchaînement. D'accord. C'est classe comme endroit. Et ça s'appelle. Non, y a pas de map. D'accord. Je vois que ça fait un point violet. Carte du monde indisponible. Ouais, je veux bien croire, vu là où on est, totalement hors map ou hors monde, ou je sais pas trop comment tu peux le dire. Mais alors du coup, là, on va sortir d'où? C'est grand, non? Oh, waouh! Athènes! D'accord, waouh. Oh, je suis surpris, là, par contre, ça, je kiffe. D'accord, donc en fait, on a une map. Niveau 47-49 d'Athènes. Stylé. Bah, dis donc. Donc en fait, on peut aller à Athènes.
Donc du coup c'est comment ils appellent ça? C'est l'au-delà en fait. Ah ouais, nouveau lieu découvert, gardien à Datton. Ah oui, moi je dis oui, lire les stèles. Ah ouais, là c'est ça, c'est cool ça. Nouvelle découverte, Atone. Ah ouais, il y a un énorme soleil et tout. Il y a beaucoup de choses à faire en fait. Wow, on a vraiment une map par entière. Alors est-ce que par hasard, naissance d'un dieu? Alors est-ce que je consacrerais pas un épisode entier à fouiller et à faire ce lieu-là, plutôt que de le faire maintenant? Que j'appellerais Athènes. D'accord. Déplacement rapide, c'est cool, j'aime beaucoup par contre. D'accord, ok. Une nouvelle zone. On a débloqué l'au-delà. Je pense que je ferai un épisode spécifique dessus. On y retournera et on ira clean vraiment toute la zone. Je ferai un épisode qui durera le temps qu'il voudra. S'il doit durer 2 heures, il durera 2 heures. S'il durera 3 heures, il durera 3 heures. Mais un épisode vraiment centré autour d'Athènes. J'ai déjà fait un truc là pour voir un peu comment c'était, mais. Retourner dans l'au-delà permet de voir les zones d'au-delà que vous avez déjà visitées. Chaque portail mène à un au-delà spécifique. Donc il y a plusieurs au-delà, t'as rien de me dire. Parce que s'il y a plusieurs au-delà, waouh. Waouh. Il y en a avoir des choses à faire là. Alors il y a plein de points et tout. Là je suis curieux là par contre. Curieux de savoir un peu s'il y a d'autres points comme ça là. Je brûle, je meurs. Super. Je suis heureux de faire un ulti finalement et de voir que pendant cet ulti, je me fais totalement cramer la tronche. Hein. Parce que du coup, je suis désolé. Parce que du coup là, bah tu peux rien faire quoi. T'es dans ton ulti, tu peux pas le stopper. Tu peux pas dire bah non, attendez. C'est littéralement bolos. Je sais pas trop ce qu'ils faisaient. Ça avait l'air des deux gardes, mais ils avaient l'air de pas trop s'aimer. Non, il y a un problème. Tac, enchaînement de jets. T'aurais pas dû venir ici. Mais je t'ai déjà tapé. D'où il est en train de me détecter selon maintenant. T'es un plein de héros comme personne toi. Tac. Ah, il y a quand même 3-4 points. Ouais, il y a 3 autres points. C'est 3 maps différentes là par contre, je pète un câble. Hein. Parce que je sais pas si je vais tout faire quand même. Hein. Je suis content d'avoir de la nouveauté à ce moment-là, mais que d'avoir que des zones secondaires comme ça. À moins qu'on ait des quêtes à un moment donné qui nous y amènent. Ça peut être classe en vrai, vu qu'on est dans la malédiction des pharaons. Donc on peut peut-être se retrouver à aller dans leur paradis slash enfer. Oula. Oula. Oula, oula. Pillé trésor. Cet endroit est très bien gardé. Je sais pas trop qu'est-ce qu'ils font. Ils sont pas un peu cons? Je suis curieux. C'est une zone. Ouais. Curieuse que voilà. Ok, donc ça c'est fait. Petit trésor. Rapidos à récupérer.
On va aller faire le point secondaire. Enfin non, on va d'abord faire les points qui sont là et aviser ensuite avec la quête principale. Allez le cheval, cours. Je ne sais pas où est ma quête principale. Pour l'instant, on va s'occuper du secondaire. Vu qu'on a entamé ça. Après, on avancera sur le principal. Bah, ce que je voudrais savoir, c'est est-ce qu'il y a d'autres maps du coup. Parce que là, sinon, je pète un câble. Tombeau de Ramsès le Grand. Ramsès, je dis. Oh là là. Ah, c'est plein de tombeaux différents, quoi. Ça va partir dans l'Ender. Ah, est-ce que c'est juste un autre point de TP au même endroit, enfin qui va nous téléporter à Athènes, mais à un autre endroit. Es-tu orgueilleux, arrogant? Tu oses mentir dans la maison d'Anubis? As-tu l'impudence de te prendre pour un juge? Tu décides du sort des autres. Les vivants ne sont pas bien. Alors que tu n'es rien. Quitte ce lieu. Quitte ce lieu. Mon gars, je vais sauter dessus comme un sauvage. Aucune chance. Un peu nul quand même. Vas-y, attaque-moi. Non, bah c'est moi qui vais t'attaquer. Hop. On est grave en train de se faire des mecs. Enfin, on rentre quand même dans le tombeau de Dieu. Et on les dégaine quand même si facilement, quoi, je trouve. Porte de fête, c'est de... Ah ouais, c'est totalement une autre map, quoi. Oh la vache. Ah, par contre, c'est pas aussi grand que avant. Hein. Non, c'est pas aussi grand, c'est plus désertique avec un peu moins de points quand même. Oh wow. C'est stylé par contre, en termes d'environnement. J'aurais kiffé avoir ça dans les. Pourquoi ils ont pas mis ça dans l'histoire principale? Genre, pourquoi est-ce qu'on a pas eu des lieux comme ça? Bon, en vrai, ça va, ça se fait, c'est pas non plus. Ça a pas l'air non plus Epsed. Enfin, c'est, tu vois, celle-ci elle a l'air d'être assez importante. Celle-ci, ça va. Donc là, je suppose qu'il doit y avoir deux autres mondes. Hein. Parce que l'autre est assez grand. Donc si on se serait tapé 4 fois ce monde-là, avec les 4 secondaires. Wow. On va essayer de faire le point secondaire. Voir où est le point principal. Faire les deux tombeaux, conclure la quête secondaire et après on continue le principal. Ça fait beaucoup. On a d'autres choses dans cette zone d'ailleurs parce que là je suis focalisé là-dessus. Bah non, en fait, c'est vraiment les seuls points. Ah, et vraiment cette zone là comporte vraiment que les tombeaux. Je pense que ça va être les seuls. Hein. C'est genre vraiment l'endroit où ils ont mis des tombeaux, une sorte de carrière quoi. En fait, ce qui rend l'endroit long, c'est les mondes qu'ils ont rajoutés en plus, quoi. Commande profanateur. Ah, j'y vais comme un gigolo, hein. J'en ai rien à péter. Je te l'ai dit, je n'ai pas ces outils. Est-ce que j'ai des flèches, quand même? À ces maudits voleurs. Non, casse-toi. Bah ouais, bah ouais. Tu vas crever. Hop. C'est à toi, je te tue. Je vais t'étriper pour ça. Toi, je te tue. Tu me permets, je piège vite fait ça. Merci d'avoir patienté. Même si tu m'as porté comme un coup à la fin. Ils sont gentils quand même. Il doit y avoir des trésors là-dedans. Attends, remonte, c'est new. Ok, d'accord. Un capitaine, un trésor. Tu es Anen le forgeron? Quoi que tu veuilles de moi, Aneb, je l'échangerai contre ma liberté.
Ah, attends, j'aimerais d'abord finir ce pont-là. J'aurais peut-être pas dû le libérer maintenant. Peut-être un peu débile. Un peu précipité. Ah ouais. C'est relou parce que du coup je tape des exécutes mais bah, finalement je peux pas les tuer d'un coup. Ils sont un peu trop haut niveau. Tac, on récupère ça. On voit ensuite la suite avec Amen. Ok, ce truc là est terminé. Comment des profanateurs? C'est sûr et certain que ça doit être là que genre il y a un pont principal. On va déjà voir avec lui là. Merde, il est con. Fallait que je l'éloigne et il est rentré à l'intérieur. Et il bouge pas hein. Ah ouais, vraiment le PNJ bloqué. Super le code by Ubisoft. Je comprends même pas. J'ai juste lancé l'éloigné puis il est rentré et ça a compté quand même. Un sauvetage audacieux au nez de ces bons à rien de grec. Alors que veux-tu de moi? Des informations. On s'est servi d'un marteau portant ta marque pour piller une tombe. Par le phallus de Thoth, ces maudits chiens qui se cachent dans les collines ont volé mes outils. Mais... tu m'as l'air assez redoutable pour faire fuir un taureau en rut. Viens, allons reprendre ce qui m'appartient. Attends. Ils n'ont pas que tes outils. Ils ont emporté des corps, dont celui de Ranofer. Je me ferai un collier de leur bourse. Je m'en charge. Que des références au cul, hein. Ah, le cul. Hein. Alors ça y va. Hein. Ah, tu as raison. Fais en sorte qu'ils se pissent dessus quand ils seront devant Osiris. N'ont pas peur des dieux. Ok, et la quête principale du coup. Ok. Ils auront peur de moi. Alors, normalement, je cligne toujours les quêtes secondaires avant de faire le principal, mais là, ce qui m'embête, c'est qu'on est vraiment à côté, quoi. J'aurais dû me douter, mais bon. Rejoins le tombeau de Nefertiti. Ah ouais, mais là, faut que j'arrête avec ça. Non, on va aller faire la quête secondaire. On va conclure cette quête secondaire. En bonne et due forme. L'homme de Pharaon est apparu, mais je m'en tape. Parce que vraiment, c'est cancérigène de fou d'aller la faire. On perd du temps, on perd de tout. Donc juste, on va aller faire le campement et ultime dernier point qui est là-haut, là. Après, il restera deux points qui, je pense... sont les différents mondes. Après, si ça se trouve, on va aller dans le monde de Nefertiti. Et du coup, on va se retrouver à jouer là-dedans. Ça va être cool en vrai. Cible case des pilleurs de tombe ont un commandant dans la vallée des rois. Repère de pierre. Quoi? Tu sais, je bouge les plantes à côté de lui, mais il capte rien. Alors là, j'avoue que je sais pas trop comment. Inutile de fuir. Tac. Oh! Comment t'as osé toucher à ma dignité là? Eh, ça pardonne pas, hein. Mes flèches quand même, les multiples flèches. Alors certes, c'est coûteux et je me retrouve facilement en rade, mais c'est si énervé. Et un pompier de trésor. Dieu terminé. Du coup, les cadavres, ils sont là. C'est monstrueux. Brûler des momies pour en récupérer les trésors.
Des beaux connards. Maria sera atterrée en apprenant ça. Mais il faut que je lui rapporte l'amulette. Dak, l'amulette. Donc on va se taper et puis on va aller voir madame. Les Philaktai. Philak. Mais il y en a plus là de Philaktai sur ce map là. Alors il y a les apparitions des pharaons là. Il n'y a pas de Philaktai. Tristitude. Pourtant il y avait de quoi, hein. Il y avait quand même 10 niveaux là. J'aurais pu en mettre un niveau 50, un niveau 55, voire même un troisième. Écoutez et profitez de mon savoir. Au 70e jour, l'embaumement et l'enveloppement doivent être achevés. Ah, j'ai pas pensé à faire. Hop. En procession, la forme accompagnée de la déesse Izet et de sa sœur Nephthys. Les prêtres font brûler de l'encens, répandent du lait sur le chemin et lisent des incantations en l'honneur du défunt. Tac. L'âme peut alors entrer dans la doua. Bien. Allô. La dame. Tu es de retour en un seul morceau. Tu as envoyé ces chiens ramper devant le dieu bélier. J'ai trouvé les bandits. Mais je n'ai pas pu sauver la forme terrestre de ton frère, Raya. Merci. J'aurais été folle d'espérer davantage. Tiens, voilà l'amulette. Non. Elle devait l'aider à entrer dans la douate. Garde-la. Elle pourra peut-être te protéger. Le peseur des cœurs ne le punira pas pour les crimes d'autres hommes, Raya. Nous le reverrons dans les champs éternels, femme. Cela me réconforte. Imhotep, Bayek. Imhotep. Quête finie, offrande brûlée. Bon, bah, au moins on a conclu ça. Donc du coup, il nous restera la balle de la map à faire. Après, il y aura toujours ça. Ah bah si, attends, là. 100 fois. Bah si, attends. Attends, non. Ah non, c'est une autre forme. Oui, parce qu'en fait, on a une forme qui apparaît et je pense qu'il y en a une autre à un autre endroit. En vrai, les zones là sont très grandes après. Parce que là, en fait, c'est vraiment des toutes petites zones finalement qu'on a. Enfin, sauf celle-ci. Mais c'est vrai que là, Thébès nommé, ouais. Donc, on va aller stepper là-bas. On va d'abord faire le point le plus au fond pour débloquer la map et voir un peu la taille et l'envergure. Et ensuite, on revient vers la quête principale et on débloque du coup. La suite, on va voir. Je pense que ça va nous TP aussi dans un autre monde. Et cette fois-ci, peut-être que du coup, là, on va clean ce monde-ci. Niveau 50. Feu d'une sœur. Rendre l'amulette auprès des frères de Raya. Les embaumeurs et prêtres s'occupent du temple de la douate. Alors attends, on va aller voir. Parce que moi, du coup, je voudrais d'abord. Parce que le point principal est là, moi je voulais aller là. Et du coup, on va voir si je peux terminer ça aussi. Faut peut-être accéder à un autre monde en fait. Hein. Oui, maintenant on accède à des mondes. Dégagez le passage. Ah non, attends, il faut que j'aille où? Ah bah attends, c'est dans le film. Quoi? En protection! C'est où? Ah non, c'est derrière. Derrière ou dedans? Il y a l'air d'avoir quand même quelque chose par ici. Ouais. Nouveau lieu découvert, tombeau de Toutankhamon. Oh! On l'a pas respecté, on a déglingué son tombeau, on a fait hop. Ah oui, là. C'était caché parmi tous les trésors. Donc c'est ça en fait, la quête secondaire c'est dans un autre monde encore. Parce qu'on n'a pas de carte. Tu as volé, tu as profané. As-tu volé les hommes? As-tu volé les dieux? Tu te gaves de nourriture? Tu te livres à des excès de boissons? Tes yeux sont voilés par la débauche? Parle ici. Est-ce que je peux tenter un truc? Détourne-toi de la Bible. Est-ce que je peux tenter un forcing? Peut-être. Je ne sais pas. Oui.
Oh waouh. Alors là, il m'indique des points ici. Au moins on a débloqué le passage, la droite. Donc là on est à la... Ah ouais, la droite, ok, droite. Waouh. C'est si long, rien. Bon, au moins du coup j'aurais réussi à avoir cette TP là. On a 3 mondes à faire. Celui-ci a l'air d'être grand aussi, mais on n'a pas tout. Celui-ci est petit, celui-ci est quand même assez important. Ok. Du coup on va pas faire ça maintenant. Je me doutais, mais je voulais vraiment avoir le monde et avoir la TP. Par contre, je peux pas me re-TP. C'est quoi cette connerie? C'est parce que je suis en combat? Ok. Bon, au moins on a les TP. Je pense que maintenant, plus trop de problèmes à y retourner. Et on ira faire du coup cette quête secondaire à un moment donné. C'est cool en vrai. Je m'attendais pas à des extensions de map de cette manière-là, à accéder à des mondes. Enfin, au monde des dieux, finalement, d'Egypte. C'est stylé, en vrai. Et les montres ont l'air... Enfin, celui-ci avait l'air soigné. L'autre avait l'air stylé aussi. Il y en avait un, c'était vraiment un désert en mode de grosse flemme. On voit qu'il y a peu de points et tout. Ok, ok. Bon, beaucoup de secondaires, quand même. Hein. Nouvelle région découverte. Droite. Ah, c'est un peu tard pour me le dire, mais... au moins, tu me le dis. Donc là, du coup, on va aller au tombeau de Nefertiti. Alors, quel monde ça va être, je ne sais pas. Est-ce que du coup tout ton camion ça doit être Le tombeau de Nefertiti. Ouais, est-ce qu'il reste encore droite. Quelque chose à l'intérieur? Je sais pas qu'est-ce qu'il représente déjà ces lieux en fait. Je vous laisserai lire, mettre sur pause, hein. Moi je. Pas forcément. Enfin, d'abord là il y a quoi? D'accord, c'était du plus là du coup. J'ai cru qu'il y avait un truc. C'est grand quand même, c'est quoi ce truc secondaire là? Mais zut alors. J'ai pré-shot un truc qu'il fallait pas que je fasse maintenant. Et on revient là. Bien. Et là il y a quoi? Moi, je suis curieux, j'ai envie de tout savoir. Oh waouh. Ok, en fait on est passé c'est le tombeau de Toutankhamon. Je l'ai pas vu en haut. En fait on a fait, d'accord, en fait c'est une liaison vers deux. Ok. Et je l'avais même pas vu. Là aussi d'ailleurs il y a un passage. Ah, il y avait une araignée. Dégueulasse. Dégueulasse. Bah non, bah du coup on va retourner en arrière. D'accord, en fait il y a un passage entre les deux. Entre tout ton carton et puis Nefertiti. Non bah moi on aura vu, on sait. Mais nous on va retourner vraiment en arrière parce que ça ne m'intéresse pas du coup d'aller dans ce tombeau-ci. Par contre, du coup, tout le en carton. Le sarcophage de la reine Nefertiti. Y est-elle encore? Ah, elle y est même plus, frère. Tu m'étonnes qu'elle est vénère. Par contre, c'est les seuls, vraiment, c'est des dieux. Mon gars, ils sont tellement dieux qu'ils ont leur ouverture de leur monde d'ouverte, quoi. Renonces-tu nos noms pour rien? Tu nous méprises en refusant de baisser la tête. Accomplis-tu les rites sacrés? As-tu hurlé ou tué dans un temple? Allez hop. Ah dommage, à peu j'allais l'avoir et pour enchaîner sur un autre. Ok. Donc what is this new world? Trouve votre chemin dans la lame douette. Je vois que je peux craft des objets et tout. Oh, ça a l'air beau. Qu'est-ce que c'est? Ce
serais Yalou. Si je rapporte la relique au temple, l'esprit de Nefertiti en sera peut-être apaisé. Ok. Ah ouais. On va clean des points du coup, hein. Je suis désolé, hein. Pareil, on passe à côté, autant les faire maintenant. Et au pire, prochain épisode, on clean la zone. Porte la loupe. Là-bas que c'est. Chercher la stèle. Puis au pire, là c'est un épisode genre un peu secondaire et tout. Puis vraiment après on clean au pire. Hein. La chute de l'horizon. Je pense que prochain épisode je l'appellerai Arv. Non. Mais ils avaient pas dit Yalou. Tombeau de Nefertiti, Toutankhamon, Ramsès le Grand et Akhenaton, Akhenaton, je crois. Arou. C'est stylé. Je pense vraiment que c'est des points en mode. Ah oui, du coup, ouais, on n'a pas de. Si on a notre cheval, je veux dire, on n'a pas. Oh! Est-ce qu'on peut le monter? Le dresser? Oh, waouh! So beautiful. Il y a des outposts, MDR. Nouveau lieu découvert, don de nous. Y'a pas de quête secondaire ici, non? Si. Ok. J'ai un peu paniqué, j'étais concentré sur ce que je faisais. Ma caméra qui tressaute. Ok. Enchaînement. Ok. On va pas dépenser des flèches pour si peu dit. On va juste essayer de le finir comme ça. Ok. J'étais concentré. C'est stylé en vrai comme monde. Pas en train de profaner des mondes d'ailleurs. Si ça se trouve notre âme va être condamnée à un moment donné, on va plus pouvoir rien faire. On va se retrouver dans l'enfer aussitôt, il n'y aura même pas de cœur dans la balance pour peser le oui ou le non. Ouais, il y a des scorpions géants, frère. Stylé. Ça donne quoi comme ressource, ça? J'aurais peur de le taper quand même. Hein. Éclat d'étoile. Ah, mais c'est ça les éclats d'étoile. Ça vient de ces mondes-là. C'est pas mon paradis, hein. C'est pas les champs de roseaux, hein. C'est des champs de blé. Boulangerie royale. What the fuck? C'est une boulangerie sur pattes. Boulangerie géante. Ah, c'est vrai qu'avec tout ce blé, y a de quoi faire. Hein. Oh purée. Pas en chocolat, des croissants, des. Oh là là là, j'ai fait. Mais tu triches, t'es derrière une botte de paille, je peux pas te viser. Oh, il a un. Tac. Enchaînement. Le mec bouclier, ça m'arrange, voilà, comme ça lui, il peut pas se protéger et je le tape.
Aïe. Ça me fume quand même, on est en train de se faire. Mec, on est dans... littéralement dans le pays d'un dieu et on démonte ses sbires. C'est quand même un affront envers un dieu. On est quand même censé reposer un talisman pour le calmer et on est quand même en train de déglinguer son monde. Hein. Et piller des trésors. Pourquoi est-ce qu'on n'avait pas ça dans l'histoire principale? Je comprends pas. Aïe. Aïe. Ok. Juste 3 trésors à pied quoi. Voilà. Je pense qu'on va tourner. Tu tournes et tu tournes et tu tournes. Puis ensuite revenir par là puis faire là. On va faire aussi la quête principale. Non. Merde. Il a dit tu es à moi. Hein. Allez, ça fait quand même parler un peu. Hein. Ça fait genre, mais en vrai. Par contre, du coup, les scorpions, go les taper de fou furieux, quoi. Parce que du coup, les éclats d'étoiles, en fait, c'est eux. Ah, je vais tous vous aggro. J'avais tellement la flemme de farmer, mais là maintenant. Je sais que c'est là. Oh, il a loupé. Baillet Club Léo. Oh non, j'ai pas. D'accord, je pouvais pas le taper à mon dieu, je comprenais pas. Il kiffait, frère. Par contre, il me dégoûte quoi, les scorpions géants, vraiment. Ça va être nickel ça pour upgrade. Hein. Parce que j'en avais besoin pour pas mal de choses. Je savais pas où est-ce qu'on chopait ça. Ouais, ouais éclat d'étoile. Aussi. On est juste derrière l'autre point. Pourquoi pas le faire maintenant? Ouais, c'est vraiment plus tout bête. Hein. C'est vraiment que juste des tablettes à lire. Il a pas pris. Nickel. Un scarabagiant. Tu penses que ça se vend au marché? Tu sais, j'imagine arriver avec la peau du scarabée. Hop, j'ai trouvé des scarabées géants. Vous me les reprenez combien? Avec leur carapace, on peut faire des superbes armures qualitatives comme on y. Oh, les champs à perte de vue. En vrai, la zone Mio là, j'ai vu un peu le temple de Nefertiti. Ça avait l'air stylé quand même. D'accord, je crois que les ennemis ils ont pop juste devant moi. Hein. Ah, ils attaquent à vue par ici. Oh. Oh, le bug. Le bug visuel. En fait, ce qui est génial, c'est qu'avec ça, hop, je peux faire un enchaînement et obligatoirement, je les tue, quoi. C'est tellement cool. En vrai, ça va franchement. Ah mince, j'ai pas vu qu'il y avait un ennemi là. Enfin, il y en a plus, mais. Il n'y a pas eu pour autant. Bah, lui aussi, tiens d'ailleurs.
En vrai, ça reste des personnes embaumées et devenues momies dans la vraie vie qui sont venues, qui servent, je pense, Nefertiti. Hein. C'est censé protéger ces lieux, quoi. Donc, ça reste des simples humains, quoi. C'est pas non plus des demi-dieux. C'est pour ça qu'ils sont aussi mauvais, par exemple, avec moi. Ils savent pas empêcher mon invasion. Grâce à eux, je peux m'enrichir, moi. Des scies à volant. Mais ça voilà. Oh, y a des... Mais vraiment, on est en train de bousiller son écosystème. Allez, quoi. Elles vont plus vite en fait. Allez, ça gouine. Nouveau lieu découvert, offrande de fondation. Cette façon de descendre me termine. Je vais y arriver, Bayek. C'est vraiment tout bête, hein. Les points sont vraiment simples de chez simple. Oh là là, il a du mal à sortir. Ok. Ouais, je pensais qu'on allait faire un épisode complet, mais en fait, ça va, hein. Ça reste relativement rapide. Deux éclats d'étoiles, ah ouais, ça m'en donne deux, nice. Ouais, les biches, elles courent vite, hein. Plus vite, tu meurs. Ah! Il est marqué pas gentil. Ah ouais, elle est vraiment énervée. Je sais pas quel niveau aller. Tuer l'animal, d'accord, mais je peux pas le faire en fait. Et puis je fais quasiment rien, quoi. Non, on va pas forcer, tant pis, hein. On va être obligé de refaire ça plus tard. Là, je peux absolument pas me le taper, quoi. Il y a une tête de mort dessus, donc tête de mort, ça veut dire que c'est terriblement pas possible. Après, il n'y a pas de niveau, donc je sais pas trop pourquoi. En vrai, ça me dégoûte un peu, ils me mettent des frissons quand même. Tellement ils sont grands, avec leurs pinces et tout, tu vois, c'est... Ah. Vous voyez ce que je veux dire? Oh là là, c'est pas relou d'aller chercher ces stèles là. Toujours plus loin, toujours plus profond. Ah ouais, les... Waouh. Elles sont énormes, ces vases. Je me suis fait pranker. Voilà, la stèle est là, mais... Non, je me suis fait niquer. Hein. En bonne et due forme. Putain, la stèle, elle était là, quoi. Je suis dans un truc, je sais pas trop ce que c'était. Bah, il en a rien à péter, quoi. Et vraiment, il attaque des scorpions géants comme ça, quoi. Les machins, ils ont des pinces tellement énormes, frère. Je suis tellement sûr que dans la... Je vais les couper en deux. Hop, tout quick. Il n'y a plus de Bayek. Bayek en deux morceaux. C'est un en deux. Un en deux. Du coup, je sais pas trop c'était quoi ce souterrain. Il y a un souterrain géant, frère, mais vraiment là pour faire beau. Hein. Aucune utilité à part ça. Bah clairement, je pense qu'on va faire un épisode un peu plus long, mais on va faire un épisode, on va terminer de compléter cette zone. Hein.
Étant donné que j'ai quasiment fini, pardon, excuse-moi, je pète tout, tout le truc. Les mecs, ils vivent tranquille et tout, je suis là, je leur casse tout. Pareil, une stèle aussi, je suppose. Ah non. Un truc protégé, ça pouvait forcément pas être une stèle. J'aurais dû me douter. Ça va, eux, ils sont pas trop relous. Noé Herma. Ah, ils soignent. Ah non, ils remettent à la vie. Quelle bande de chacal. Je vais arrêter de Noé Herva, tes grands morts là. Et avec leur sève de Toka. Il n'y a pas de commandant quoi, ils sont tous à la même échelle. Ok. Tout simplement, les lieux sont pas très grands non plus. Tu t'y perds pas quoi, c'est pas des énormes forteresses de la mort qui tue. Juste quelques pégus entre deux. Enfin, du coup, il va quand même manquer un point. Hein. Scorpion géant là. Aucune idée, peut-être niveau 55. C'est marrant quand même que tout soit facile. Puis ils te mettent un truc, tu sais, bien qu'il y a l'air. Pour bien te dire, ah, tu seras obligé de revenir quoi. Ah, et le soleil est tout caché par une autre lune là. Par une lune. Ah. Ouais, c'est bon. On va d'abord faire le point. Ensuite le point de vue. On va avoir aussi la quête secondaire. Ok. Ça c'est tapé. Oui d'accord. Je pense que la tablette est tout simplement ici. Derrière. On va y arriver. Cessons d'être débiles. Et en vrai, ouais, 3 points là-bas. On va entamer la quête secondaire, voir un peu. Je vais faire un épisode un peu plus long où on conclut vraiment cette zone et le point aussi principal. Histoire de dire comment tout ça s'est fait. Puis au pire, on continue à faire un peu de secondaire la prochaine fois. Alors il y a un démon de, qui est peut-être un peu trop niveau là, tout en carton. La map désert, je pense qu'elle se fait. Et l'autre, elle est un peu plus grande. Il a le point de vue. Ah non, je suis un blaireau. Oh, je suis allé sur l'autre. L'autre point. Je sais pas où est l'autre trésor. Hein. C'est new, vous pas me dire. C'est new à la flemme de travailler. Alors je vois qu'il y a un point là-bas mais je le vois pas sur la carte principale, bizarre. J'aimerais bien dire que c'est ça. Ouais bah du coup je me suis un peu gouré moi. Je suis pourquoi je suis parti dans cette direction là. En fait comme c'est deux points un peu noirs, j'ai confondu un point d'observation et un point... Un point de trésor. Je te jure il va me demander de refaire des endroits que j'ai déjà fait hein. Tu es marié, Sini ? Carrément en bâtimentique. Je l'ai été. Jadis. Pardonne-moi. Pardonne-moi si j'ai rouvert une blessure. Ma femme me reprocherait mes questions. Si elle était là. Elle a franchi la salle des deux vérités, j'en suis certain.
Mais alors pourquoi ne m'a-t-elle pas rejoint? Même le rite du renne a échoué, quel malheur. Tu as bien dit son vrai nom? Dois-je me résoudre à ne jamais la revoir? Vos âmes se sont rejointes, sans diminution et sans défaut. Verrez l'éternel, c'est la promesse. Peut-être. Les annales de la porte? Tous ceux qui entrent y sont notés. Mais c'est un codex interdit, bien gardé dans la maison des noms. Si ta femme est là, je vous réunirai. Prends ce souvenir, elle le reconnaîtra. Sois béni pour l'éternité, frère. Le pain, l'encens, j'ai tout trouvé. Mais le rite... Ouais, donc ça va être sur un autre point. Bon. Alors, on va faire un truc, on va chercher le point qui est là-bas, qui je pense est une stèle qui va se faire rapidement. Faire le point de vue. Et on retourne du coup à l'outpost où on était allé. Ah non, c'est un autre poste aussi. Chut. Oh, le cheval qui fait du bruit. Tu as entendu? Non. Ouvre l'œil, frère. Non. Non. Ah. Ça c'était dommage ça. Hop, y'a plus personne. Y'a un gros bateau armé jusqu'aux dents. Ils viennent de me voir en direct massacrer des gens. Hein. Là là là, je ne fais que passer. Là 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 là, quai d'éclipse. Non, c'est pas moi. C'est faux. En vrai, ce qu'il aurait fallu que je trouve, c'est un cheat en mode no clip. Souvent, je fais ça dans les jeux maintenant. C'est de trouver des cheats no clip. Parce qu'en vrai, des fois, en vrai, bon, le mode photo, je crois qu'il est complet, mais des fois, t'as pas de mode photo, ou des fois, les modes photo sont un peu fermés. Et là, le temple, j'aimerais bien l'avoir dans un bel angle de vue, mais je crois que normalement, le appareil photo est pas trop mal. Parce que ce truc là je le veux en skin de vidéo hein. C'est stylé quand même. C'est les hiboux là qui font du bruit bizarre, les hiboux chelous. Ah regardez ça, moi je veux un beau screen quoi. Ah il y a un trésor et tout. Oh le fuck! Oh, il est loin. Ah non, c'est pas le même trésor, ça. Non. Il y a d'autres points qui sont apparus? Non, non, non. Non, 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 non. Donc, on va retourner tout là-bas. J'en ai combien là de... Après il me manque des choses encore. En fait c'est grâce à ça que je vais pouvoir améliorer mon stuff au niveau maximum. Ah d'accord, il a détendu l'arc. Et j'ai tiré comme un gros noob. Ça dégage. Vous voulez découvrir palais de la dame de grâce. Je me suis un peu trop approché, pardon. Pas maintenant. Veuillez patienter. Avec ces énormes bateaux là qui voguent au milieu des champs de blé, ça me termine. Vous avez papier, ça coince pas un peu? Ah oui d'accord, c'est un capitaine commandant de trésor. Ok d'accord. J'ai débloqué lui, maintenant je sais ce qu'il y a. Bon moi pour le retour normalement. Je pourrais me re-TV. Par contre, du coup, évidemment, ils vont voir repop. Sinon, c'est pas marrant.
Ah, à moins que. La maison des noms. C'est ici que je trouverai les rouleaux des morts. Ça va, ils ont pas repop. Ils sont gentils. Bac et K. Ah oui, il y a un énorme parchemin, effectivement, j'avais pas vu. Ah, il fouille, hein. À son entrée dans l'au-delà, elle a été renommée Yinepu. Ce serait une décision d'Anubis. Je pourrais réessayer le rituel de Heth avec son vrai nom. Il a parlé de pain et d'encens. Récupérer l'encens, récupérer du pain. Il me demande vraiment de refaire trop de choses. Hein. J'aime pas du tout ça. Vraiment de refaire des points importants. Ouais, j'aurais dû récupérer la quête secondaire, j'aurais dû me douter qu'il allait me retaper des points que j'avais déjà fait. C'est toujours comme ça, de toute façon, les points secondaires. Non, c'est pas vrai. Arrêtez, c'est pas moi. Le cheval est magnifique. Si je peux le garder après, je veux bien. Oula, j'ai eu un coup de frise. Je suis dans la zone d'exploration. Ok. Récupérer de l'encens. Là, je suis dans la zone d'exploration. Pétant légère, peut-être. En train de tout casser, lui, hein. Je suis énervé. Ah, j'ai pas de point précis, du coup, c'est un peu chiant. Je vois bien les trucs là comme ça, mais non, je ne sais pas. Suis-je débile? Probable. Mais je vois pas de E, je vois rien. Là, peut-être la jarre. Ah! Attends, ah bah attends, mais là je peux pas récupérer de pain là. Ah, récupérer. Ah non. I don't understand. Le gars, il est trop énervé. Ah, on est en train de tout péter, hein. Ah, la cérémonie du renne. Il m'en faut plus. Ah, ça arrive. Force d'avoir pété tellement de choses que je finis enfin par récupérer des trucs à droite à gauche là. Donc conclusion, il faut tout casser. Conclusion. Dans la zone. Un peu relou cette quête quand même. T'as pas tout indiqué, on te dit débrouille-toi quoi, clairement. Je trouve ça un peu facile. Là il y en avait un. Après peut-être. Ah attends, là le deuxième était là.
Et il y a un enfant à récupérer. Il est peut-être au-dessus. Hein. Tout à l'heure, j'ai vu qu'il y avait des choses. Donc, je vois bien le truc bien planqué là, tu sais, comme un gros chacal. Ou alors, c'est un endroit genre un four. Parce qu'en vrai, l'encens. Ah bah là. Non, il n'y a rien à récupérer là. Ah si, bah si. J'ai cliqué dans tous les sens. Trouver un bras zéro pour le sort de Het. Et ça a fonctionné. Ah, maintenant il me demande de retourner là-bas. Et bah allons-y. Alors j'ai aussi la quête principale, mais d'abord la quête secondaire, écoutez. On va faire les deux en fait. 51% de batterie. Ah, je me suis fait aggro, je sais pas pourquoi. On va aller taper là-bas les deux gros machins. Oh non, c'est une blague. Bah voilà. Donc là on a des jambons à éliminer. C'est stylé en vrai. Oh, c'est stylé. J'aime bien, j'aime beaucoup. En vrai le premier DLC était vraiment pas fou hein. Quand on voit celui-ci quand même. Ils sont quand même. Pff, on va pas dire qu'ils ont pas rien fait mais quasiment quoi. Quand tu vois la qualité et tout ce qu'il y a dans celui-ci, tu te dis quand même bordel. Nous ne manquons de rien dans l'Yalou. Si on a eu deux DLC comme ça, mon gars, j'aurais été vraiment content. Là, j'ai vraiment l'impression d'avoir payé un DLC pour rien quoi. Ah, je prends tape un peu. Je suis un peu comme un sagouin. Ah mince, je crois qu'il était doux. J'ai vraiment entendu que sa tête arrive, mon gars. Il s'est bouffé une flopée de flèches. Oui, oui, oui. Tac. Premier trésor. Je suis vraiment désolé, hein, j'ai pris de la gorge depuis deux semaines là quasiment. Enfin, ça, je tousse un peu moins violemment, mais. Toujours un peu pris quand même. Fonce, Michel! La prochaine manger. Ah non, j'ai plus de mine. Oh non, c'est triste. Ah non, j'ai plus de viser alors que je vois pas le gros carré rouge qui me dit bah non, en fait, t'as plus de flèche. Né, bolos. Ok. La question que je me pose, c'est où est l'autre trésor? Il doit être de l'autre côté. Hein. Ah, c'est un mec avec un bouclier. Je pourrais pas enchaîner. Ça ne sert à rien, ça c'est un mur, Balek. Bayek. Balek. Cette fois c'est dans Borderlands. Ouais. Juste les mecs avec les boucliers qui sont un peu relous là. On devrait pouvoir finir celui-ci. Je suis en jaune. Je suis jauni.
Non, toi t'es pas relou. Toi une fois enchaîné, ça se fait bien. Aïe. Aïe. Ça a dû le faire mal quand même. Tac. Comme ça, enchaînement. Oh là là là, incroyable. Je m'aime moi-même. C'est possible. Et donc là, du coup, il nous reste quoi? Bah, rien, parce qu'on a tout fini. Maintenant, il s'agirait d'aller par là. Voilà. On est vraiment en train de profaner quand même un tombeau, hein, je trouve, à grande échelle. On est quand même censé remplacer une relique. Après, je sais qu'on pourrait pas le faire sans les tuer, mais bon. Moi, Nefertiti, je serais trop énervé, quoi. Bon, après, en même temps, ce serait paradoxal, du coup. Allez, hop, rituel pour la quête sommaire. C'est le rêve. Il m'entraîne dans son sillage. C'est vraiment calculé pour qu'on puisse aller sur le décor, quoi. Qui a été fait pour ça. Avec un tas d'herbes pile à cet endroit-là, c'est de façon magique. On du coup rip la quête secondaire. Rip la quête principale, il faudra qu'on y retourne à nouveau. Je suis une boule lumineuse. La drogue en est là du coup. À ce stade-là. Tout a été calculé pour hein, la botte de paille, la poulie. Genre vraiment ils ont placé des corps, ils ont fait hop. Ça sera rentabilisé à un moment donné. Ah bah je me disais bien que cet endroit là servait pas à rien. Je me disais aussi trop bizarre quoi. Pourquoi il y a une grosse grotte ici? C'est vrai que j'avais pas pensé que ça pouvait être lié avec la quête secondaire qu'il y avait dans le jeu. C'est loin. Hein. Une bonne balade là quand même. Hein. Ça continue. Ou pas. Lorraine. Il s'est enfui dans le serviteur d'Anubis. Je dois l'en libérer. Pendant 1000 ans, mais une fois le devoir accompli, tous sont réunis. Et il en sera de même pour toi. Ok. On a fini avec celui-ci. Il y en a eu le centre de voyageurs arc de chasseurs, d'accord. Bah du coup on va se recaler ouais, sur la quête principale. Non, on va pas se TP, on va directement y aller je pense. Parler au prêtre dans le temple.
c'est où? Je comprends pas. What the fuck? Ah, ça y est, ça pop. Je vérifie juste que j'avais un problème de... truc à distance, comme d'habitude, de connection loss, ça arrive des fois. Faudrait que je vois si je pourrais pas, mais je crois pas qu'il existe un plugin et tout pour que j'ai directement sur mes touches, ça pourrait être mieux. Mais je crois pas, parce que souvent c'est piloté par des applications. Quoique, en vrai, tout se tente, faudrait que j'aille voir. Donc, on va aller investir les lieux. Je vais devoir être prudent. Et conclure la vidéo qui aura duré quand même un certain temps. On verra, ça durera un peu trop longtemps, mais à mon avis, là, je pense que on investit, on replace, et c'est bon, hein, en théorie, on conclut avec Nefertiti, et elle embête plus personne dans le vrai monde. Le pharaon que tu honores n'est pas en paix. Tu apportes une relique de Nefertiti sur un plateau couvert d'offrandes impures. Tu offenses les dieux. Seule cette vision est une offense. Je dois y remédier. Alors purifie le sacrifice. Celui qui nourrira les dieux sur leur nef sacrée. Hein? Quelque chose de pourri. Ah, what? Je m'attendais pas à me faire... On a volé quelque chose au pharaon. Je dois le rapporter. Bah on va terminer ça la prochaine fois alors. Tu n'as rien à faire ici. Ta chair est impure. Imbibée de sang. Rongée par le chagrin. Tu ne peux rien pour Nefertiti. Je dois essayer. Alors plonge au plus profond des eaux sacrées. Oh Miala, va y avoir plein de quêtes secondaires à faire. On en a deux là, merde, montre le journal. Blablabla, je suis perdu. Là c'est parti en vrille, hein. Accorder le repos à Nefertiti enquêté sur la soute ou la malédiction. Et là il nous a filé deux quêtes. Bon, on va d'abord faire ces trucs là, hein. On va le faire épisode prochain, hein, parce que ça a l'air d'être encore assez long. On va juste pointer ici, on va juste vérifier. Tac. Ouais, ça a l'air assez long, pardon, je suis devé, j'ai quand même bloqué, j'étais dans mes pensées là. Je pense que ça s'est entendu. Tac, donc on va vendre tout ça. Les boucliers qui ne servent à rien. Hop, comme ça, ça sera finito. Il nous en manquera 20 à nouveau. Après, il nous faudrait de la peau de croco et tout. Ça, déjà, au moins, c'est fini. C'est combien? Ah mince, c'est 3. Comme ça, au moins, ça, je l'aurai aussi au maximum. Mythe et pharaon. Et bah, nice! Nice, 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 nice. Bon, épisode bien rempli, bien long. On aura encore des choses à faire et tout. Donc j'ai hâte de voir un peu la continuité de ça. Donc on ira faire du coup les deux quêtes qui nous ont été données. Parler au prêtre dans le temple. Ah. En fait j'ai encore des choses là du coup. C'est ça en fait. Donc il y a une troisième quête. Je me disais bien que il y en avait eu que deux. Et souvent ils aiment bien mettre 3 et arrondir à 3.
Là, on sort de la zone d'investigation. Où est le dernier? Parce que j'aimerais bien partir avec les trois, quoi. Purée, il est vraiment là-dedans, là? Est-ce que vous voyez quelqu'un avec un point sur la tête? Pas moi. Pardon, madame. Je l'ai poussé tellement violemment, ils ont rien demandé. Tu te tiens devant nous, dame de grâce, digne de louange, source d'amour, bien-aimée de Platon vivant. Il est où le dernier gars? Roi céleste, le dieu unique, de la haute et de la basse Égypte. Il y a deux quêtes secondaires plus une troisième, à mon avis. Toutes les femmes, je t'honore, je chéris la connaissance qui m'a conduit à servir à tes côtés dans les champs d'Yalou. Ah, c'est lui. Ça s'étendait en fait un peu par là. Cette relique, elle a été volée à Néfertiti. Tu ne peux pas apporter ça au temple. Tu ne peux pas entrer avec ces offrandes rances. Cela offenserait à tort. Qu'est-ce qui est rance? Les libations doivent être pures. Dans l'eau, tu vois ton visage. Mais dans le vin, tu vois le cœur de son jardin. Ok. Accomplir les rites de purification. Donc c'est ça. Donc en fait, prochaine fois, il faudra qu'on fasse les trois quêtes secondaires qui nous ont été données. Enfin, quête principale du coup, plutôt. Donc ces trois-ci. Waouh. 999... Non, 99 999. Oula. Trop de chiffres à lire. Bon bah écoutez, sur ce, n'hésitez pas à mettre un j'aime, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos. On se retrouve la prochaine fois pour continuer ça. Moi je vous dis ciao ciao.